Oui, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment utiliser les prépositions devant les villes du genre masculin, féminin et devant les pays aussi. Donc devant les pays masculin, féminin et devant les villes. Voilà, devant les villes, on utilise toujours à. Par exemple, j'habite à Paris. Okay? On va mettre ici Paris. Ça bouge un peu. Attendez. Donc, dans ce cas, on va mettre ici Paris. Voilà. J'habite à Paris. On va lier. J'habite à Paris. Donc, ça, ou bien cette préposition-là, on utilise devant les villes. OK? Donc devant les villes, vous utilisez toujours devant les villes. J'habite à Lausanne, j'habite à Genève, etc. Alors, quand est-ce qu'on utilise en? On utilise s'il y a un pays, hein, devant les pays. On va mettre ici, bah, juste un peu, parce que... Ouais, donc... Devant le pays. Alors, devant les pays qui commencent avec des voyelles, par exemple, en Albanie, en Italie, en Espagne, comme ça, c'est P, ok? En Espagne et aussi devant les villes, devant les pays. Donc parfois on dit aussi en Sicile. Alors, mais ce que vous devez savoir, c'est d'utiliser cette préposition devant les pays du genre féminin. Ok, devant les pays du genre féminin, hein, comme la France, l'Allemagne, etc. Alors, au, on utilise au devant les pays du genre masculin. N'oubliez pas donc aussi devant les pays qui commencent par une voyelle. Regarde, A, I, E, E, etc. On peut dire hein, en Allemagne, ok? Ça, on arrête. Quand on prononce, on dit j'habite en Albanie, hein, en Italie, en Espagne, ok? En Allemagne. Devant les villes, hein, on a dit devant, je vais noter ici, devant les villes, ok? Devant les pays du genre masculin, oh. Il n'y en a pas beaucoup de pays qui sont du genre masculin. La plupart, ils sont féminins. Okay? La plupart des pays sont du genre ou bien appartiennent au genre féminin. Alors, j'habite au Japon, on peut dire. Okay? J'habite au Japon. Au Canada. Parce que c'est le Canada. Donc, si on dit le, hein, il faut utiliser toujours au. Si on dit la France, hein, on utilise, ou bien si on dit l' apostrophe, donc si on utilise un article défini devant le pays, il faut utiliser donc la France, l'Albanie, l'Italie, l'Espagne. Alors on utilise en. Si on utilise le Brésil, il faut dire hein, j'habite au Brésil. Ok? J'habite au Brésil. Bah désolé pour cette vidéo comme ça, mais je pense que ça va être utile. C'était tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas donc de commenter ou bien t'abonner sur ma chaîne YouTube.